Ông cứ chọc. Ông trong việc các hầm to khi tham gia cái này thì phía tạm là cá, nên nó đào được cái chuyện từ tạm mình thì bị cái đầy lục khi thẩm phán năm bảy miền nó cá hầm to cá tăng sầm nô định đào dịch vụ nhẹ chấm nền. Merci, Monsieur le Président. Pour terminer avec les rapports que vous avez rédigés, vous avez fait notamment un rapport particulier sur Kampong Cham, document E3-2649. Et particulièrement, vous êtes intéressé à une prison que... nous avons évoqué devant cette chambre, celle de Wat Outrakoun. Et à l'ERN en français 00614111, en anglais 00208395, et en Khmer 00660595. Voilà ce que vous dites. Toujours au sujet des chiffres. Lorsque j'ai demandé si les chiffres fournis par le DCCAM étaient fiables, entre parenthèses, 32 690 victimes et 467 fausses, il a répondu que le nombre exact qu'il avait vérifié était de 39 007 plus une, car il a été témoin de la dernière personne exécutée. Le total était donc de 39 008 personnes. Il ne sait pas pourquoi autant de personnes ont été tuées. Et votre commentaire entre le prochain et le suivant. Il s'agit bien sûr de chiffres extravagants de la République populaire du Kampuchea, prescrits par les autorités au début du régime. Ils n'auraient jamais pu être aussi précis, puisque nous avons su que toutes les archives ont été détruites et perdues, principalement par ignorance et négligence, car il paraît que les autorités n'avaient été en rien responsables de leur disparition. Typique de la recherche du DCCAM, leurs jeunes chercheurs inexpérimentés ont simplement pris note des chiffres de l'époque de la République populaire du Kampuchea et peut-être n'ont-ils jamais mené d'enquête indépendante. Fin de citation. Ma première question est de savoir est-ce que vous avez particulièrement posé des questions sur les archives de Wat Outrakoun et est-ce que ces archives-là dont vous parlez, dont vous dites qu'elles auraient été détruites par ignorance et négligence. Je crois avoir déjà répondu à ce type de question. Parce que j'ai dit qu'il y avait des flots d'archives dans tout le pays. La priorité des gens à cette époque, après le 7 janvier 1919, c'était de survivre, trouver la nourriture, reconstituer, retrouver ses enfants. On pouvait bien imaginer cette atmosphère apocalyptique. ฝ่ายการนี้คือท่าที่ฝ่ายการมวยได้ลงบ่าลงบันบันพอดจังในการโรคไอกระสานุ่นมันจะอัตภีร์ระบบมนุษย์ที่จังให้จำนวนที่ปีนี้คือท่านเอาคนไล่มวยจำนวนนู้นคือท่าเก็บบ้านบำเพ็ญไอกระสานในเจ้าที่ประปอนคือผู้ท่าตรึกใส่การโยกเคยระบบภาษาที่นารอดจีนกัมพูชาโน้นคือท่านเอาความระบบกัมพูชาจีนแต่ไอ้นู้นเมียนกุ๊กแต่มวยเด้แต่เกิดได้ช่วงท่ากุ๊กตัวสลายอ่าสองไฟมวยนั้น คืออ้อยเมียนควบแต่มวยนั่งเตะให้ได้บ้านเกิดขึ้นจังตัวท้าจุ่มวิ่งจุ่มวิ่งปอลปอดยังสลีแต่กลัวสับเปิมจังก็ท้าเมียนควายทองอ๋อทำไมทองมากระหายควายทองล้อนุคือสาธารณรัฐจีนกัมพูชาจังมัน
Une dernière question au sujet de des documents et des chiffres fournis après la chute du régime. Nous avons un trois déclarations de personnes de Dissé-Camoutre ayant travaillé sur des rapports relatifs à des sites d'exécution. Il s'agit des documents E3-0617 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 E3-0617
anglais té l'enquêteur des juges d'instruction demande aux témoins interrogés qui a travaillé donc sur des rapports de DCK lui demande from where did you obtain the documents about the name of the sites? Réponse 28. The official from the Office of Propaganda and Culture gave them to us. Question, do you remember we gave those documents to you? Answer 29, Mr. Abson, the head of the district office, and Mr. Tlong Tong, an official from the district culture office, provided the documents and took us to the crime site. The report they provided were true. Also, we did not go to some of the sites. End of quote. Donc ma question est pour confirmer, vous nous avez évoqué que lorsque vous avez vous-même fait vos recherches, vous étiez accompagné de quelqu'un où vos mouvements étaient restreints. Est-ce que c'était des officiels du bureau de la propagande et de la culture qui s'occupaient de vous donner des documents s'il y en avait et de vous accompagner éventuellement sur le site? Est-ce que c'était des officiels du bureau de la propagande et de la culture qui s'occupaient de vous donner des documents s'il y en avait? D'abord, je vous remercie pour cette citation en anglais. Ce que j'évoquais était une hypothèse et un fort soupçon. Là, ça confirme mon hypothèse. Bon, je vous remercie. En ce qui concerne mes propres relations avec les autorités locales, je voudrais dire que mes recherches début des années 90 ont été faites avec une permission officielle de M. Kyo Kanyarit, qui était à ce moment-là déjà ministre de l'Information, francophone, francophile, et qui m'avait encouragé dans ce travail. Ce qui me permettait d'avoir une lettre d'introduction chaque fois que j'arrivais dans une province ou dans un district. Ça me donnait un statut pas complètement chercheur indépendant. Je travaillais avec la bénédiction des autorités à un régime qui était en train de changer à grande vitesse au moment des négociations de Paris et de l'UNTA, l'Organisation des Nations Unies.
C'est évident que moi, comme GCCAM, je suis allé auprès du bureau de information et culture. Alors, ça dépendait complètement des lieux. Il y avait des endroits où, je pense surtout à la province de Soirien, ça fait partie des documents que vous m'avez donnés. Un extrait du sur After the Killing Fields, une page qui est non, parmi les documents non identifiés que vous m'avez donné. Justement, je crois que la province de Soirien avait fait un travail assez sérieux. Le service information et culture sur les crimes des Khmer Rouges. Il y avait un tableau assez complet de toutes les prisons Khmer Rouges. Donc, et très souvent, j'ai pu rencontrer des gens très sympathiques parce qu'ils n'avaient pas de fonction politique vraiment importante. Ils n'avaient pas de responsabilité ni politique ni financière dans ces districts. Donc, ça a été une source importante, mais ça dépendait des endroits, bien sûr. Je suis désolé, mais je vais vous demander de faire, si possible, des réponses courtes, parce que mon temps est de plus en plus hanté, et ça va être très compliqué. Donc, à l'attention de la Chambre et des partis, je n'ai pas le temps de revoir tous ces passages, mais je renvoie donc au document E3-10-617. À la réponse 10, E3-10-6-1-8, à la réponse 3, qui, de façon similaire au document que j'ai cité, renvoie au fait que les documents fournis à DCCAM l'ont été par des gens du ministère de la propagande de l'information ou par des autorités. J'en viens maintenant à un point important de mon interrogatoire, qui est ce que vous avez écrit à propos de Kyo Sampan, les affirmations que vous avez pu faire au fil des ans dans vos différents ouvrages articles. Je vais évidemment vous demander vos sources. Première question déjà, vous l'avez confirmé, mais vous n'avez pas de souvenir d'avoir pris de notes lors d'un bref entretien avec M. Kyo Sampan à Péline sur la production de son Sikun, si j'ai bien compris. Est-ce que nous sommes d'accord que dans le cadre de vos recherches, vous n'avez pas fait de recherche particulière sur la période avant le Kampuchea démocratique, c'est-à-dire pré-75? La période pré-75, si vous avez vu mon dernier ouvrage Pourquoi les Khmer Rouges, il y a plusieurs chapitres sur l'histoire de la démocratie au Cambodge, sur ce qui s'est passé dans les années parisiennes pour un certain nombre de Cambodgiens. J'ai fait l'analyse de la thèse de Khmer Sampan, dont je tire la conclusion qu'il est partisan de l'économie mixte comme en France et que ce n'était absolument pas le white paper ou le programme économique ou politique du Kampuchea démocratique. Je m'appuie aussi sur le travail de nombreuses autres personnes, dont l'étudiant français Sacha Cher, qui a fait sa thèse également et qui a fait une étude extrêmement intéressante sur les intellectuels cambodgiens qui ont rejoint les Khmer Rouges et qui avaient été étudiants à Paris, en France. Voilà, donc, effectivement, je n'ai rien apporté de très original, mais de tous ces travaux, j'en fais la synthèse dans les premiers chapitres de mon livre Pourquoi les Khmer Rouges. Avant d'en venir à cet ouvrage, je voudrais revenir à votre ouvrage E3-10-6-1-8,
dans le passage que je vais lire. Tout ce qui est prison du genre de Tsusseng. Et vous dites ceci. Une des tâches essentielles de tous les responsables à tous les niveaux était donc de découvrir tous les opposants, de faire voler en éclats toutes les solidarités familiales, de tuer dans l'œuf toute tentative de rébellion. Cette mission quasiment philosophique, puisqu'il s'agissait somme toute de distinguer le vrai du faux, faisait l'objet de nombreux débats au sommet et de directives trapissistes de l'Encar. On peut dire d'ailleurs que ce fut la seule branche du gouvernement sous la responsabilité de Tsusseng, avec ses multiples interrogateurs et geôliers, sans parler de l'énorme paperasserie qui fonctionna de manière efficace. Fin de citation. Vous ne citez pas de source particulière à ce passage, mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer alors? Je sais que 196, peut-être que les choses ont évolué, mais là, vous indiquez que cette branche du gouvernement donc en charge des interrogateurs et des geôliers aurait été, selon vous, la seule branche du gouvernement sous la responsabilité de Tsusseng. រដ្ឋាភិបាលដែលស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ខៀវសំផនលោកចង់សម្ដៅលើអ្វីដែរពេលដែលលោកសេឃ្លៀននេះហើយមានប្រភពអីដែរ Alors là, effectivement, dans cette affirmation péremptoire générale, il y a une erreur. Si j'ai écrit Khmer Sampan, c'est une erreur, c'est la direction Khmer Rouge. En général, Khmer Sampan n'était pas directement parmi ses nombreuses attributions, et le fait qu'il était toujours au centre du pouvoir, il n'avait pas la direction spécifique de la répression, sauf que j'ai vu dans Philippe Schott en particulier qu'il discutait avec Nguyen Chir ou avec Pol Pot de la nécessité éventuellement d'arrêter telle ou telle personne. Mais il est certain que si j'ai mis le nom exclusif de Khmer Sampan, là je m'excuse, c'est une erreur. Par contre, l'affirmation générale que c'était la seule branche du gouvernement du Kampuchea démocratique qui a été efficace, ça je ne suis pas le seul à le dire. Je crois que je l'ai lu dans David Chandler en premier, rien ne fonctionnait sous le Kampuchea démocratique, rien. On peut dire ni l'éducation, ni la santé, peut-être la production de riz, oui, mais en tous les cas, la manière dont les personnes étaient nourries, la famine, excusez-moi, régnait partout. Excusez-moi, là je suis désolé, mais le temps qui m'est compté, je voudrais me concentrer sur les parties concernant M. Khmer Sampan, je n'ai pas terminé sur les citations que je veux faire à ce sujet. Vous avez répondant à une question de M. Procureur jeudi évoqué les sources du passage que je vais rappeler dans votre ouvrage E3 2.1.2 toujours. Donc c'était sous le slogan 92 en anglais et sous le slogan 80 dans la version française à l'ERN 0039506 et vous avez indiqué rappelons que l'obsession majeure de Khmer Sampan, le chef de l'état du régime était de nettoyer la société cambodgienne, obsession qui devint celle de tous les dirigeants pour devenir ce qu'il faut bien appeler la marque d'une paranoïa collective. Fin de citation. Lorsque M. Procureur vous a posé des questions sur l'origine de ce mot obsession que vous avez utilisé, j'ai cru comprendre que vous avez renvoyé au témoignage de la personne que vous connaissiez, Jacques-Yves Félix, qui a assisté au cours d'économie de M. Khmer Sampan. Lorsque vous évoquez cette obsession,
session, vous parlez de la période pré-75, en tout cas, la source que vous avez, ce serait cette personne-là. Est-ce que j'ai bien compris que c'est sur la base de ce témoignage que vous avez écrit ce passage? Puisque vous mettez encore une fois des guillemets sur le terme nettoyé. ពោលថាអ្នកលោកបានប្រើពាក្យបោះសម្អាតនោះខ្ញុំដាក់នៅក្នុងអភន្តរៈពាក្យនេះតើលោកមានតែប្រភពមួយនឹងទេឬក៏យ៉ាងណា Oui, en effet, c'était nettoyer et torcher, j'ai même encore plus fort. Mais quand on a fait quelque chose, il faut avoir plusieurs sources. Donc, ce n'est pas ma seule source. Mon autre source, c'est qui est bien connue de tout le monde, c'est que Khieu Somphone, à l'époque du Sangkun, était le symbole de ce qu'on appelait Monsieur Propre. C'est-à-dire qu'il avait refusé de s'immiscer ou de se laisser entraîner dans toutes les combines de corruption. C'était symbolisé, même c'était tellement devenu Monsieur Propre qu'on avait dit qu'il avait refusé d'utiliser les automobiles et qu'il ne circulait qu'à bicyclette. Et dans son interview à Philippe Short, il a dit c'est pas tout à fait exact, je ne circulais pas qu'à bicyclette, j'avais en effet une voiture aussi, une automobile, et que c'était une vieille voiture. Voilà. Donc c'était Monsieur Propre. Si je comprends bien, c'est ces éléments que vous utilisez le terme obsession, c'est bien ça. Lié au mot, au terme Khmer, boss, hâte. Et Pourquoi les Khmer Rouge? Et c'est un passage qui renvoie à la partie que je viens de citer de votre ouvrage sur le slogan. Vous dites, à propos de Khieu Somphone, on retrouve le personnage qui, dans ses cours d'économie politique à l'université de Phnom Penh, se montrait souvent agressif vis-à-vis de ses étudiants européens ou étrangers, rappelant qu'il était là uniquement pour les élèves khmers. Il fallait nettoyer, torcher la société de tous les corrompus venus de l'extérieur. Fin de citation. Et là, dans la note de bas de page 96, à la suite de cet extrait, vous renvoyez au petit livre rouge, au 3/2812. Toujours répondant à M. le procureur et évoquant l'anecdote racontée par Mme Bourgogne. Merci, bonjour à tous. Cet extrait vous renvoie donc à la, si je comprends bien, à l'anecdote que vous avez racontée, Jacqueline Félix, que vous avez rapportée
à l'audience de jeudi. Ma question est de savoir à quels autres incidents faites-vous référence quand vous dites qu'il se montrait souvent agressif vis-à-vis de ses étudiants européens ou étrangers. Dans cette rédaction, on a l'impression que c'est quelque chose de récurrent et qu'il aurait eu des comportements agressifs à plusieurs reprises. Là, en l'occurrence, ce que vous avez indiqué à la Chambre, c'était qu'il avait demandé à cette jeune femme pourquoi elle n'était pas en France et pourquoi elle était dans une université Khmer. Donc, d'où tirez-vous cette généralité et ce caractère de fréquence d'agressivité vis-à-vis des étudiants européens ou étrangers? Premièrement, on m'a déjà interrogé sur cette question. J'ai déjà répondu. C'est une question répétitive. Vous dites que le temps est compté. Deuxièmement, j'aurais peut-être pas dû mentionner ça, puisque ça n'est basé que sur une seule source. Bien évidemment, je n'assistais pas à ce cours. J'étais à ce moment-là professeur au lycée Descartes. Vous avez également indiqué à cette audience que vous aviez la conviction que Sampan était en lien bien longtemps avant son départ dans la jungle à la suite des menaces du régime de Sihanouk avec les dirigeants du PCK. Lorsque vous avez été interrogé sur quels étaient les éléments qui vous permettaient d'affirmer que ça faisait longtemps qu'il était en relation avec Vous avez dit que vous aviez Oui, maître, vous m'avez dit que vous alliez m'interroger, sur les différences entre la première et la deuxième édition de Pourquoi les Khmer rouges. Mais en effet, je suis tombé sur deux allusions, je n'ai pas noté les pages exactes sur le fait que... Alors ma source, cette fois-ci, sera Sohong, ou Salopban. Peu avant la disparition de son oncle, Salotsor, dans le maquis, en 1963, Et c'était lui depuis 62 qui était le secrétaire du Parti communiste de Cambodge, donc le parti avait choisi la voie secrète. La face visible, c'était le parti Pratichum, qui est d'ailleurs disparu, je crois, après les deuxièmes élections du Sukhum. Alors, je sais pas, j'ai écrit dans mon livre, deuxième édition, c'est une, vous m'avez demandé quelle différence il y avait entre la première et la deuxième édition. Entre la première et la deuxième édition, j'ai énormément interviewé Sohong, et il m'a appris qu'à cette époque-là, pendant ces années-là, il a vécu quelques années extrêmement heureuses chez son oncle Salotsor et sa tante Khyoponali, qui malheureusement, ayant eu une opération gynécologique, ne pouvait pas avoir d'enfant.
pour lui, il avait enfin trouvé un foyer où il était très bien accueilli. Sa sœur l'aidait à faire ses devoirs, ses études ont été beaucoup mieux. Et on lui demandait, avec sa bicyclette, de porter des messages, en particulier secret. Évidemment, c'était un adolescent, donc personne ne le remarquait. En particulier à Kyusampon et à Nunchi. Et ça, c'est en 53, c'est ce que vous dites? Non. Non, 53, Pol Pot revenait de France, et Kyusampon était en France de 54 à 59, quelque chose comme ça. Non, c'est entre 59 et 1963. Est-ce que vous avez des notes de ces entretiens avec Salouban, des enregistrements que vous pourriez, si nous faisons la demande à la Chambre, nous fournir? Oui, j'ai des enregistrements. Je ne sais pas si vous pouvez faire la requête orale maintenant, mais sur ce point particulier, nous aimerions pouvoir avoir accès à ces entretiens avec Monsieur Locard, avec Monsieur Salouban. Mais quelle situation peut-on avoir? At the end, so we know where to find it from all the relevant parties, whatever additional documents concerning Locard they want to request, because then it's all in one place, if you want to do it orally. Do you understand what I'm saying? Not somewhere now, in the middle of the testimony, but Ils étaient décédés à un moment, donc quand je parlais de 300 tonnes, vous avez indiqué que pendant la période, entre avant le coup d'État de 70, que c'était ces trois figures qui pouvaient apparaître comme les dirigeants de mouvements clandestins. Ma question est de savoir, est-ce que vous souvenez entre 70 et 75 s'il y a eu une évolution sur qui pouvaient être les personnes à la tête du mouvement clandestin, et si oui, quelles sont vos sources? Premièrement, je ne suis pas d'accord avec la première partie de votre question. Il n'y a pas eu de coup d'État contre Sihanouk. Il a été renversé le 18 mars 1970 de façon légale par l'Assemblée nationale plus le Conseil supérieur du trône, réuni en congrès, on pourrait dire, à une écrasante majorité, et cela en conformité avec le dernier article de la Constitution de 1947 et dans les un article date de 1960. Bien évidemment, à ce moment-là, et Sihanouk en particulier, ne connaissait pas l'identité et la nature des dirigeants du mouvement révolutionnaire, puisque la révolutionnaire avait commencé, la révolution violente avait commencé janvier 1968 sous l'impulsion de Nunchi Nguyen-Xi et avril-mai 1968 sous l'impulsion de Pol Pot, qui était à l'époque Aratanaki. Ce personnage était totalement inconnu
à l'époque, non seulement de Sihanouk, mais du grand public, des journalistes, etc. Donc, les figures de proue du mouvement étaient ce trio d'hommes politiques admirables, formés en France, docteurs, et qui avaient tous été de bons et de populaires secrétaires d'État. Est-ce que vos recherches vous ont permis de déterminer si au niveau des services de renseignement que ce occidentaux de façon générale si on a pu évoquer l'existence de Pol Pot avant la révélation au monde en 1977. Est-ce que vous avez cette information? Oui, alors Pol Pot était évidemment très connu et très populaire dans le mouvement révolutionnaire. Excusez-moi, ma question était de savoir, j'essaie d'avoir des questions précises. Est-ce que vous avez des éléments, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, même s'il n'était pas connu à l'extérieur, est-ce que vous savez si les services de renseignement occidentaux connaissaient l'existence de Pol Pot avant 1977? Je n'en sais rien. Je n'ai travaillé ni pour les services de renseignement français, ni britanniques, ni américains. Quand je vous pose des questions sur les services secrets, je ne soutiens pas que vous en ayez fait partie. Je vous demande simplement, dans le cadre de vos recherches, vous êtes tombé sur ce point. Je vous dis ça parce que Steve Leader a témoigné à l'audience dans le premier procès, à l'audience du 17 juillet 2013, document E1-225.1, et lui, il était présent avant 17 avril 1975 au Cambodge. Il était journaliste et il indique c'était un petit peu avant 9h42 et 12 secondes. Mais comme je l'ai dit dans un témoignage précédent, il semblait être accepté que les trois fantômes, ce n'étaient pas les trois leaders au sommet. Deuxièmement, que des gens du type Salotsar, Yonchea, Tamok, Van Vet, Koytun, tous ces gens-là faisaient probablement partie de l'échelon supérieur. Et de plus en plus, j'ai entendu dire que dans le monde du renseignement américain à l'ambassade, que les Khmer rouges n'étaient pas sous contrôle vietnamien. Fin de citation. Vous m'avez répondu en disant que vous ne saviez pas ce que les services de renseignement pouvaient savoir avant le 7 avril 1975. Ce témoignage ressort du premier procès. Donc, ma question très particulière dans le cadre de la rédaction de Pourquoi les Khmer rouges, est-ce que vous avez fait un travail sur les audiences du procès 02-1 et sur le jugement qui s'en est issu? Ou est-ce que vous n'êtes pas rentré dans le détail effectivement, avant 1975, avant la chute de Phnom Penh, les services américains étaient bien évidemment au courant. Il y a eu le célèbre rapport de Quinn, qui est venu après, je crois, ambassadeur qui expliquait de manière en détail dans les régions contrôlées par les Khmer rouges que la coordination, l'embrigadement,
Je suis désolé, là vous revenez en arrière. Je vous ai posé une question sur ce que les services de renseignement occidentaux savaient à l'époque. Vous m'avez répondu que vous ne saviez pas. Je vous ai lu l'extrait de la déposition de Huider, disant ce qu'il avait eu, l'information qu'il avait eu. Et après, ma question était autre. Ma question était de savoir si... dans le cadre de votre travail sur pourquoi les Khmer rouges, vous avez particulièrement étudié les audiences du procès 0201 et le jugement qui s'en est suivi. C'était ça ma question. Est-ce que vous pouvez vous concentrer sur cette réponse à cette question? Oui, bien sûr, j'ai lu en détail le jugement de la première partie du deuxième procès. Oui, j'ai suivi en particulier le témoignage de Steve Hader. Oui, certainement, des personnes étaient informées sur la nature de la direction Khmer Rouge avant 1975. La population dans son ensemble n'était certainement pas informée et la majorité des journalistes non plus. Un autre point sur lequel je voudrais revenir, dans le cadre de la première édition édition de 2013 de Pourquoi les Khmer Rouges, à la page 85 et 86, vous dites ceci: on mettait en avant des personnalités respectables et connues comme Khieu Samphon, Chieu Nam, Hu Yun, Chun Mum, diplômés et éduqués à Paris, alors que dans l'ombre, c'était Salotsar, Nung Chea, et Son Sen qui avait tous les pouvoirs et prenait toutes les décisions. Donc dans cette première édition, vous dites que vous mettez en avant Khieu Samphon entre autres, et dans l'ombre vous ne le citez pas. Dans la deuxième édition, E3-10-640, le même paragraphe est repris, mais différemment, c'est donc à la page 92 en français. On mettait en avant des personnalités respectables et connues, comme Khieu Samphon, Khieu Samphon, Chum Mum, diplômé et éduqué à Paris, alors que dans l'ombre, c'était Salotsar, Yun Chea, Khieu Samphon et Son Sen, qui avaient tous les pouvoirs et prenaient toutes les décisions capitales. Donc entre la première et la deuxième édition, vous rajoutez dans l'ombre Khieu Samphon, et en même temps vous dites qu'il est mis en avant. Est-ce que vous pouvez expliquer cette différence et ce que vous entendez par là? Est-ce que vous pouvez expliquer cette différence et ce que vous entendez par là? Oui, là encore, peut-être entre 2013 et 2016, j'avais longuement interviewé Salotsar et Pipun aussi, qui m'a donné beaucoup d'informations sur la guerre civile, ce qui se passait à Stung Chinit, et surtout comment graduellement la direction du mouvement s'est rapprochée de Phnom Penh, suivant le ton des sapes et en se rapprochant de plus en plus. Et j'ai appris à ce moment-là qu'au moment de la prise de Phnom Penh, Khieu Samphon déjà se chargeait de l'intendance, puisque ça a été son grand domaine. On le considérait comme responsable de la distribution du tout. C'est lui qui distribuait ou supervisait la distribution des munitions. Donc ça me paraît quand même un rôle important. Donc, il
il s'est révélé que en fait il avait un rôle plus important que les deux autres des trois fantômes. Certainement, Hoyun n'a jamais pris part aux actions de guerre et aux actions violentes. Quand vous dites qu'il a procédé à la distribution des munitions, vous parlez de Pikun et vous parlez de Taliban qui tous les deux ont témoigné devant cette chambre et ont été interrogés sur la période avant la prise de Phnom Penh. Dans le cadre de mes échanges et qui auraient été enregistrés, ou est-ce que vous vous fondez sur les audiences que vous avez, auxquelles vous avez eu accès sur le procès 02-1? Alors, pour ces deux personnages, bien évidemment, surtout pour Pipoun qui a une mémoire d'éléphant, une mémoire extraordinaire, il n'a pas été à l'école, donc il a tout mis, tout, il se rappelle tout, il se rappelle les noms des personnes, des lieux, mais c'est précis comme tout. Bon, il est bien évident que moi j'ai lu, j'ai épluché avec soin les minutes de son témoignage. Je vous ai déjà dit que moi, je l'ai interviewé sur des mois et des mois, des années, parce que j'avais fait un premier interview avant. Interview qui a duré infiniment plus longtemps qu'au tribunal, donc j'ai pu recueillir infiniment plus de renseignements. En ce qui concerne Salotban, alors lui qui n'est pas Thion Thiet, qui a une éducation tout à fait traditionnelle, puisqu'il a été élevé essentiellement à Phnom Penh, par trois oncles successivement, qui eux, était pratiquement au sommet de la hiérarchie sociale de Phnom Penh, qui a eu une éducation, disons, plus classique. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez aller au cœur de votre réponse? Bah, alors, ça va être difficile. Salotban, ce que je voulais dire, ce à quoi je voulais dire, c'est que Salotban n'a dit beaucoup plus de choses qu'il n'a dit ici au tribunal. Il ne s'est dit qu'il ne se souvenait pas. Mais bon, peut-être la cour l'a cru à moitié, mais en fait, c'est vrai qu'il a beaucoup moins de mémoire que donc, juste une question, quand vous dites que le Sampan avait plus de pouvoir que Uyun et Nim pendant cette période-là, et qu'il aurait été en charge de cette mission, qui vous a donné cette information? Salotban ou Pipun? Je pense que c'est Pipun. Il était toujours qui montrait que il était toujours auprès de ceux qui dirigeaient la guerre civile. Ça aussi, ce sont des éléments qui figurent soit dans vos notes, soit dans les enregistrements de Pipun que vous avez. Qui sont dans les enregistrements de Pipun. Participation à, et je mets entre guillemets, distribution des munitions, c'est ce qui vous permet de dire que dans la deuxième édition, donc, que Sampan et Son Sen avaient tous les pouvoirs et prenaient toutes les décisions capitales. C'est là-dessus que vous vous fondez. Bien sûr, on était en période de guerre. La victoire était au bout du fusil. Donc, dans ces dernières semaines, entre janvier et avril, Khieu Sampan était là. On a des photographies de cartes. Et Pol Pot tenait à diriger, était vraiment le chef des armées, un peu comme Hitler, qui lui a lancé ses troupes sur l'URSS. C'était vraiment lui qui donnait ses ordres à ses généraux. Là, vous parlez de Pol Pot et vous parlez de cette
de la présence de Khieu Samphan, le tour de Pol Pot à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il prenait part à toutes les décisions et qu'il n'était pas seulement l'homme mis en avant, mais qu'il était également dans l'ombre, ce qui me paraît être une contradiction par rapport à la première édition. Est-ce que vous pouvez indiquer quelle est la source de votre information, et de quelle décision, toutes les décisions, de quelle décision parlez-vous? C'est toujours la même chose. Khieu Samphan affirme et ses avocats qu'il était simplement, il assistait. Il était comme une ombre ou comme un ange gardien ou je ne sais pas quoi. Il était toujours présent à côté de la direction, mais qu'il n'a jamais pas aucune des décisions. C'est vos conclusions. Moi, permettez-moi d'en avoir une autre. Vous avez le droit de faire toutes les conclusions que vous voulez faire, mais moi je suis devant un tribunal et j'ai besoin de savoir sur quels éléments vous fondez. Et je vais rebondir sur un autre point. Dans la deuxième édition, document E3-640, vous affirmez, ça fait partie des ajouts par rapport à l'édition de 2013, vous affirmez que l'ERN en français et une édition en français 0130 3587, vous dites à propos de Khieu Samphan toujours: en tant que secrétaire du comité permanent du parti, appelé aussi Office 870, il fut au cœur du pouvoir. Fin de citation. Sur quoi est-ce que vous fondez pour dire qu'il était secrétaire du comité permanent du parti? Là encore, après les arrestations de Duan et Pang, il est dit dans, je ne sais pas, chez David Chandler, chez David Chandler, Philippe Short, qui aurait joué son rôle. Mais je crois avoir répété, je ne sais combien de fois, à ce tribunal, que les fonctions n'étaient pas dans un régime normal. C'était un régime d'exception, un communisme de guerre. Les gens n'avaient pas de contrat de travail, pas de salaire, pas d'attribution écrite noire et blanche sur le papier. Donc vous ne pouvez jamais rien prouver de savoir où ils étaient dans la hiérarchie et quelles étaient de manière très, très précise leurs fonctions. On sait un certain nombre de choses. Bien sûr que Khieu Samphan était responsable plutôt de l'économie, etc. Mais moi je me base simplement sur le fait qu'il était présent à K3 pendant tout le jour. D'accord, donc ça c'est votre explication pour dire qu'il était secrétaire de 870. Vous avez indiqué que vous aviez lu attentivement le jugement et que vous aviez suivi le débat. On est d'accord que lorsque vous faites des recherches, les recherches évoluent, il y a un moment que vous avez telle information et qu'au fur et à mesure, vous avez d'autres informations. Vous avez également confirmé que dans le cadre de vos recherches, vous n'avez pas vraiment mis le nez dans tous les documents, notamment télégrammes ou comités ou procès-verbaux de réunion du comité permanent, etc. Donc, est-ce que vous convenez avec moi que les conclusions que vous faites sont sur des éléments que vous n'avez pas forcément lus et que vous n'avez pas forcément étudié avec attention? Alors,
Alors tous les documents que vous mentionnez là, moi, je n'y avais pas accès. Deuxièmement, je n'ai pas fait des recherches originales, surtout je me suis servi du travail des autres. Et quand je dis que Son Pol était du Politburo, j'aime mieux l'appeler Politburo comme on fait dans tous les pays communistes. Aucune information nouvelle à donner là-dessus. Je vous dis ça parce que ça, je le dis simplement à l'attention de la Chambre et des partis. Et vous, au paragraphe 399 du jugement, la Chambre est arrivée peut-être à des conclusions qui sont différentes, qui ont évolué par rapport aux autres éléments. Donc je tenais à attirer votre attention sur ce point. Toujours dans la deuxième édition, vous évoquez donc, à l'ERN que je viens de citer, 0103580, vous parlez du pouvoir comme étant une hydre à deux têtes. Alors que dans la première édition, dans ce paragraphe hydre à deux têtes, vous ne parliez que de Nguyen Chea et Pol Pot. Là, dans cette deuxième édition, Sachant que dans la première édition également, c'est sous le paragraphe second couteau que vous évoquiez Khieu Sampan, et que là, il est remonté dans la deuxième édition dans l'hydre à deux têtes. C'est le jugement dans le procès 02/1 qui vous a fait changer la configuration de cet ouvrage et qui vous a fait passer Khieu Sampan de second couteau à membre d'un hydre à deux têtes. Je ne sais pas très bien quelle tête il serait. Je ne crois pas avoir écrit que deux têtes, ça, un hydre à deux têtes avait trois têtes. Ça serait assez absurde. Par contre, à travers le témoignage de Pipoun en particulier, à travers le témoignage de Hong Tong-Hung, à travers le témoignage de Long Visalo, rapporté par Philippe Chaud, il apparaît qu'au niveau des grandes séances de rééducation ou les congrès du parti, l'orateur phare et de loin, c'était Pol Pot, comme tout le monde le sait. Il fascinait son auditoire et sur des périodes de plusieurs jours, il pouvait s'adresser à son auditoire avec des interruptions un peu, fonctionnant un peu comme cette... comme ce tribunal. Après, en deuxième partie, alors, les gens étaient fascinés. Ils parlaient toujours avec le sourire et ils savaient faire une petite plaisanterie détendre l'attention. Après, il y avait Nguyen Chea qui parlait. Alors Nguyen Chea, comme vous le savez et comme vous l'avez constaté à ce tribunal, avait une voix plus tonitruante, plus austère et certainement il n'utilisait pas ni l'humour ni l'ironie. Excusez-moi, un instant, je termine. Je suis désolée de vous interrompre, mais là, il est 4h25, il m'a resté simplement une demi-heure pour terminer mon interrogatoire demain. Donc, je vous demande des questions concrètes. Vous avez cité parmi les gens qui seraient à l'origine de cette nouvelle configuration et du fait que Khieu Sampan passerait de second couteau à la partie hydra de tête. Vous avez cité Hong Tong-un, qui a également témoigné devant cette chambre. Et je voudrais vous renvoyer à son témoignage du 14 août 2012, document E1/107.1, du 14 août 2012, et c'est entre 14h33 et 22 et 14h34 et 12 secondes. Et il évoque, c'est la seule fois d'ailleurs où on a évoqué
intervention de Khieu Samphan devant les intellectuels, enfin une présence devant les intellectuels. Et voilà ce que dit Thun. Non, mon nom ne figurait pas dans la liste de ceux qui avaient été sélectionnés pour écouter son discours, mais mon ami Et il a dit que Khieu Samphan y était venu avec d'autres et qu'il n'avait pas été accueilli comme un dignitaire. On n'avait pas réservé de fauteuil pour lui. Donc ceux qui revenaient de l'étranger se posaient des questions parce qu'il était chef de l'État. Alors comment ça se faisait que personne n'était venu lui souhaiter la bienvenue? Donc, les participants à la réunion se posaient des questions et c'est cela que j'exprime dans ce passage. Et on poursuit parce que Anton a écrit un livre et dans cet ouvrage, il écrit ceci. Et donc là, c'est la suite de l'interrogatoire, donc un petit peu avant 14h37 et 10 secondes. Voilà ce qu'il dit. À l'évidence, Khieu Samphan, dont l'influence a pesé lourd dans leurs engagements politiques, n'était qu'un homme de paille, une marionnette dans les mains de Pol Pot. Fin de sa citation, la citation de son ouvrage. Et la question qui lui posait est la suivante. Est-ce des propos qui vous ont été rapportés par les personnes qui ont assisté à ce fameux discours à l'ouverture de l'Institut technique? Réponse, oui, c'est exact. Fin de citation. Donc là, ce témoignage que Aung Thun Un a apporté à la Chambre sous serment ne correspond pas à ce que vous indiquez en disant qu'il était un grand orateur et qu'il était presque après Pol Pot le plus grand orateur. Est-ce que vous avez des sources différentes et est-ce que, là encore, vous avez des enregistrements ou des notes relatifs à des entretiens avec Aung Thun Un que vous auriez eus à ce sujet? En effet, je connais extrêmement bien Aung Thun Un. C'est Steve Heder qui m'a donné son témoignage dactylographié et non terminé à Londres. J'ai été passionné par ce témoignage. Il levait un voile sur une partie très importante du Cambodge démocratique et je l'ai invité à terminer son ouvrage qu'il avait fait à destination de ses enfants. Donc il l'a terminé et c'est moi qui Chastel ou je ne sais plus quoi, c'est moi qui trouvais un éditeur. Alors il m'a envoyé les livres. J'aurais un autre passage de J'ai cru au Khmer Rouge à citer, où il nous disait que lui-même avait assisté au début de son arrivée au Cambodge à une session d'étude de Khieu Samphan dans laquelle il expliquait qu'il fallait que tous ces gens qui revenaient de l'étranger, que vous appelez intellectuels, c'était des diplomates, c'était des étudiants en stage, c'était des militaires en stage aux États-Unis, etc. C'est returnees, ils ont dit en anglais, ceux qui rentraient chez eux, il fallait que non seulement ils renoncent à tous leurs biens matériels et conforts matériels, mais il fallait qu'ils renoncent aussi à leur famille et finalement à eux-mêmes. Alors, je n'ai pas non plus apporté le livre de Philippe Schott. Dans le livre de Philippe Schott, un certain Long Visalo, qui a d'ailleurs eu des fonctions dans le régime actuel, qui doit toujours être vivant, alors est beaucoup plus loquace sur le discours de Khieu Samphan, où vous devez renoncer à votre personnalité et remettre votre personnalité totalement entre les mains de l'Anka. En gros, c'est le message qui est donné par Khieu Samphan au cours de toute cette période. Je vous signalerai qu'en août 1976, à la 5e conférence des pays non alignés à Colombo, c'est Khieu Samphan qui a représenté le pays où il a défendu de manière la plus virulente les bienfaits du pays et de ce communisme de guerre qu'on évoquait. Donc, à ce moment-là, il s'est trouvé le plus
porte-parole. C'était pas HENRI, c'était lui, chef de l'État. Oui, c'est ça, lui, chef de l'État, en août 1976, qui a représenté le Cambodge démocratique à la conférence de Colombo. Sur ce dernier point, Monsieur le Président, et je sais que nous arrivons à terme, simplement vous parlez du discours public de son pan que nous avons versé au dossier qui ont été déjà discuté devant cette chambre, donc il n'y a rien de nouveau. Ma question, c'est de savoir si sur la base de tous ces éléments-là, de son rôle à l'extérieur de représentation du Cambodge démocratique, c'est tout ça qui vous fait arriver à ces conclusions, et nous sommes d'accord que ce ne sont pas des éléments que vous avez vous-même étudié dans le cadre des pièces et documents du Cambodge démocratique qui vous font habiter par ces conclusions. Non, c'est d'autres. Je me sers du travail d'autres, en particulier du travail de Rao Génard, qui a écrit tout un livre sur Khieu Somphone, dans lequel il est extrêmement sévère et qui explique avec force de documents à l'appui combien Khieu Somphone était impliqué dans la direction du Cambodge démocratique. Monsieur le Président, faute de temps, j'en arrête ici, je terminerai demain à temps de l'autorisation. សម្រាប់ការនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលឈប់សម្រាកហើយអង្គការប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសម្រាប់ការលើកតម្កើងធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកនៃអង្គារទី2ខែសីហាឆ្នាំ2016ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយសម្រាប់នៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំនះនឹងធ្វើសម្រាប់ការបន្តស្ដាប់សកម្មភាពអ្នកជំនាញហងរីលោកាបញ្ចប់ហើយនឹងផ្ដើមស្ដាប់សកម្មភាពស័ក្តិដែលមានឋានៈ PTTW 976សូមពីគេជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះអញ្ញរិយអរគុណលោកអ្នកជំនាញហងរីលោកាសម្ដែងការស្ដាប់សកម្មភាពលោកក្នុងឋានៈជាអ្នកជំនាញនៅថ្ងៃនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអញ្ញរិយក៏អញ្ជើញលោកមកបន្តស្ដាប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកទៀតហើយមន្ត្រីតបតឡាការត្រួតពិនិត្យជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគោពាសាស្ត្រសិននិងអ្នកជំនាញក្នុងការជួនលោកអ្នកជំនាញព្រោះត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរឋានរបស់គាត់ឬក៏គោដៅណាដែលគាត់មានបំណងចាំទៅបានហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់មកចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកវិញហើយបង្កប់ឲ្យអនុរិយទីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោទទាំងពីររូបលោកនុនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងនៃអវតកវិញចុះនឹងបង្កឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកវិញឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកសម្រាប់ចុះ